Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo de la soirée. Alors actuellement, le niveau de vigilance est orange en raison des fortes pluies et orages. Et sur l'image satellite, eh bien, cette masse nuageuse n'est autre que la tempête tropicale Fiona, qui se situe actuellement en mer des Caraïbes. Son centre se situe à plus de 250 km à l'ouest de la Guadeloupe. Elle a particulièrement touché la Guadeloupe, eh bien, la nuit précédente. Fiona va continuer tranquillement de s'éloigner vers l'ouest et la Martinique va rester en marge des effets assez sévères liés à ce phénomène. Néanmoins, on a eu de fortes précipitations orageuses qui continuent quand même de menacer notre territoire et l'état de la mer reste quand même très dégradé. Cet après-midi, on a eu plusieurs foyers orageux qui ont éclaté sur notre île, qui ont généré quand même des averses de forte intensité et qui ont donné quand même des cumuls de précipitations qui ont atteint les 60 mm au niveau de Rivière Pilote. Et pour ce soir, eh bien, le temps demeure toujours maussade. On aura des averses de forte intensité, principalement sur les reliefs. Et ensuite, on va noter une baisse significative de l'activité en cours de soirée, principalement sur le sud. Pour vos températures, notez qu'il fera 26 degrés sur Trinité, il fera 25 degrés sur le François ou encore 25 degrés sur le Morne Rouge. Pour demain, eh bien, on va garder toujours ce temps très nuageux. En matinée, on aura des averses éparses de faible intensité. Et ensuite, on aura un retour des averses beaucoup plus fréquentes et localement de bonne intensité au niveau de Fonds-Saint-Denis ou encore du Lorrain. Pour vos températures, notez qu'il fera 29 degrés sur la partie sud et il fera à peu près 27 degrés sur le nord. Le vent, quant à lui, sera orienté sud-est en journée. Ensuite, il va virer au niveau de l'est en soirée. Il sera faible à modéré. Il va souffler entre 10 et 25 km/h, jusqu'à 35 km/h sur la partie atlantique, sur la côte atlantique. Et pour la mer, eh bien, elle sera toujours agitée en Atlantique et canaux. On va retrouver des creux moyens qui vont osciller entre les 1,20 m et 1,60 m. À la côte Caraïbe, eh bien, l'agitation perdure et les creux moyens pourront même dépasser les 1 m. Passons maintenant à vos prévisions pour la semaine prochaine. Alors, on va remarquer déjà, bien sûr, une teinte quand même assez grisâtre dans l'ensemble. Lundi, pas d'amélioration en vue. Les passages nuageux sont fréquents en matinée. Mais bien sûr, ils vont se raréfier au niveau de l'après-midi. Mardi, par contre, le soleil va pointer quand même le bout de son nez. Il va faire quand même de belles apparitions en matinée. Et ensuite, c'est des nuages et de la pluie qui seront au rendez-vous pour l'après-midi. On poursuit la semaine avec un temps quand même assez nuageux et des averses sur la journée de mercredi. Et enfin, eh bien, sur la journée de jeudi, nuages et pluies sont toujours au programme. Pour vos températures, attendez-vous une maximale de 33 degrés sur cette semaine et la minimale sera de 25 degrés. Demain, nous serons le dimanche 18 septembre. Le soleil, lui, va se lever à 5h52 et se coucher à 18h02. La pleine mer est prévue à 19h43 et la suivante à 20h31 et la basse mer à 4h30. Et bien sûr, on pourra souhaiter une excellente fête à toutes les Nadèges. C'est tout pour le moment. Je vous souhaite donc une excellente soirée en compagnie des programmes de Via TV.